Hello! On se retrouve pour parler de cette palette-là, de cette palette ultra cool glow de chez Makeup Revolution. Donc j'en parle maintenant parce qu'elle est en promo, elle a 5 euros à la place de 10 euros pendant les soldes. Donc je vous mettrai le lien bien sûr en barre d'infos. Donc c'est une palette de 8 highlighters colorés. Vous avez 8 fois 2,5 grammes, donc ce qui est plutôt pas mal pour le prix de 10 euros ou 5 euros en ce moment. Les couleurs sont juste à tomber. Alors c'est vrai que j'ai deux préférées, c'est la verte que je porte aujourd'hui et la pêche ici en dessous là, elle est juste magnifique. On va également comparer avec la Platinum Ice puisque dedans vous avez 6 couleurs qui est un peu plus cher. Alors je sais plus le prix, c'est plus le prix comme ça, mais voilà, dedans vous avez 6 couleurs et vous retrouvez au moins 4 des 6 couleurs dans les 8 ici. Donc voilà, je pense que rapport qualité-prix, il n'y a pas photo. Donc on va comparer ça. Après, je vais d'abord vous montrer l'application de chaque couleur et je vous montre ça en musique. Donc vous voyez qu'ils sont bien pigmentés, ils s'appliquent très bien, ils sont pas pailletés, ça j'adore parce que j'avais vraiment peur avec celle de chez Revolution que les highlighters soient pailletés parce que c'est souvent le cas chez eux, mais là c'est pas du tout le cas et ils sont un peu plus pailletés d'ailleurs chez Jeffree Star, mais voilà. Donc pour les couleurs qui se ressemblent, alors je vais essayer de tenir les deux en même temps sans faire de conneries. Donc pour les deux qui se ressemblent, vous avez les deux verts qui sont quasi identiques. Franchement, voilà, moi j'avais acheté principalement pour le vert, celle du Jeffree Star quand j'ai vu l'autre. Il a fallu que j'achète l'autre quand même parce qu'il y avait d'autres teintes qui m'intriguaient. Le jaune est quasi le même aussi. Le violet ici et celui-ci sont également très similaires. Et je ne sais plus lequel. Le gris ici qui est le glacier ressemble fortement à celui-ci. Donc je pense que dans les autres, les roses par exemple, celui-ci c'est le Pink Child et le rose qui est ici. Alors avec les... Non, c'est pas le même rose. Celui de chez Revolution est un peu plus mauve que celui de Jeffree Star. Et pour la Ice Gold, il n'y a pas d'équivalent dans l'autre. Mais voilà, ce n'est pas les deux plus belles teintes de toute façon chez Jeffree Star. Donc pour moi, franchement, celle-ci vaut largement plus le coup que la Jeffree Star, puisque dedans vous avez 8 teintes pour beaucoup moins cher. Vous avez
quatre teintes qui se retrouvent ici. Les deux autres pour moi ne sont pas très importantes, la gold et la pink, puisque j'ai beaucoup d'autres highlighters dans ces tons-là. Je voulais vraiment des colorés pour changer un peu de toujours les mêmes. Et je vous jure, le pêche ici, il est juste magnifique une fois appliqué. Enfin, ils sont tous très beaux, hein, de toute façon. Donc voilà, si vous vouliez cette palette-là, franchement, n'hésitez pas à foncer sur celle-ci. Comme je vous le dis, je vous ai mis le lien en barre d'infos et elle est en promo pendant les soldes. Elle est à 5€ à la place de 10€, ce qui vaut encore plus le coup. Ce qui m'a fait suer légèrement, puisque je me suis dit, ah, j'aurais attendu un petit peu, j'aurais eu moins cher. Mais je ne regrette pas, même à 10€, ça vaut le coup. Donc voilà, je vous avais fait tous les close-up, donc ça aide. Du coup, la vidéo dure vraiment pas longtemps, mais j'espère quand même que ça vous plaira. Et donc, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, parce que ça fait toujours tellement plaisir. Et de liker également la vidéo, ça aussi, ça fait plaisir. Je remercie aussi tous ceux qui passent un petit peu de leur temps sur, pour des vidéos qui servent à rien sur YouTube pour me faire gagner un petit peu de sous dans ma cagnotte. Et voilà, j'espère que d'ici Noël, il y aura assez pour acheter le lot que j'ai envie de vous acheter pour Noël. Donc en attendant samedi, moi je vous dis bisous.